Good evening, everyone. Bonsoir à Yes, we are tous. recording already. So good evening, Et everyone. nous enregistrons Welcome cette to our séance first et financial bienvenue call à notre for the year première 2024-2025. séance pour le recrutement des effectifs Coming 2024-2025. from a recent day, yes. Hi, Et so I'm Giselle. je I'm the m'appelle district head of the Gisèle district membership et je chair for this year. représente And donc I look forward 50% to de la our présidence de co-chair, la Maurice, commission himself. avec, je vais laisser mon coprésident Maurice se présenter lui-même. Hello everyone, bonjour tout le monde et Bonjour. bienvenue, welcome. I'm Maurice Saad from Guadeloupe, co-chair with Giselle Holder on the membership committee. And we're happy to see you here with us for this first meeting of the year regarding the membership on District 7030. Fantastic. So we as always encourage you guys, you Donc, can nous introduce encourageons yourselves toujours à and you're always vous welcome. This year we know présenter you're in a new role. dans We have la set some very simple ground rules. section We chat have left it de Zoom that you can et vous unmute. Of pouvez, course, this will be more so for the Q&A. bien But sûr, I hope that we will all respect the fact that when someone has the nous floor, allons we respecter will si be quelqu'un prend la muted parole only, so that's the et understanding. sinon vous Also, devez this session rester is sur la being fonction muet. recorded and Et the cette séance aussi est recording will be enregistrée shared via et email. l'enregistrement sera Because we got a partagé, few clubs sera that they won't distribué be par able email to parce answer. qu'il y a So certains clubs we qui are ne peuvent hoping that pas participer, prisons will ce be able to view the soir. recording Et sometime nous in the future. espérons All qu'ils right, so with pourront that au moins said, avoir accès à l'enregistrement. Maurice and Sur I are very ce, glad to have all of you all Maurice here. et So let's moi, jump nous sommes already heureux de vous into avoir our parmi nous et nous session. allons commencer So we donc, are going to have a few sans plus words tarder. from Nous someone who avons sees our membership quelques champion or mots district de governor notre 2024 championne, 2025. I notre really just have a gouverneure du few words to district des introduce Baie-Rouge-Mains, GGW Group Chairman to et everyone elle as you va then donc share the introduire stage. des Baie-Rouge-Mains. Yes, welcome Donc, DJ. bienvenue, Bienvenue, DJ DJ Baie-Rouge-Mains. des Donc, Baie-Rouge-Mains. Si vous si vous ne la connaissez savez pas, pas, donc, elle vient de la Trinité et Tobago. gouverneure des Baie-Rouge-Mains est de Tout Trinidad. d'abord, une étudiante C'était une brillante, étudiante un brillante et avocat ensuite de renommée. avocate. Déjà, elle a Elle a commencé sa vie commencé son d'aventure en aventure novembre ontarienne en 2011. Et 2011 depuis et 2021, depuis elle a été membre 2001, du elle a club été de San membre Fernando du Sud à Trinité et Rotary Club Tobago de et a Trinidad, servi San sur le Fernando conseil d'administration en tant et que elle responsable est de donc la paix. Avant, elle a avant servi donc cela, dans elle a capacité de servi en secrétaire du tant que club, secrétaire président de du club, club, président de club, adjoint au gouverneur gouverneure pendant trois adjointe séances, pendant trois président de la mandats. comité de la paix Et du elle fait district, partie de la commission et pour dans la d'autres paix rôles au et niveau dans du ses district. rôles au Elle niveau est du district. passionnée par Elle est le renforcement de passionnée la par paix la et paix c'est une et c'est championne une de l'érection des championne poteaux pour ce des poteaux de thème. la paix. Donc, Parmi tous pendant les ses défis défis cette qu'elle a année, pu donc ce qu'elle a pu aussi rencontrer, accomplir elle cette prend année, très au sérieux le c'est fait de ne qu'elle pas met pas en gagner attente du poids et entendre le que d'autres recrutement. gouverneurs Et nous ont pris savons du que poids. cela Donc, est quelque merci de chose souhaiter la d'inévitable. Je bienvenue à vous DJ invite Debbie donc Rupchan. à écouter Debbie Rupchan. Merci District Governor beaucoup, nominee Maurice, and of district course my gouverneur de chair district, holding that portfolio as well. et My Rotary family, good qui est evening. I aussi trust that everyone is doing well. président pour le So this is recrutement the first et virtual aussi session j'espère que of vous the êtes tous district en hosting for bonne the year. santé. And I Et thank the c'est la leadership première team séance for que le connecting district me aura and pour this cette session. année et I just la want to note that commission des most of you effectifs have met a more sessions for the été year donc virtually eu cette by the initiative. different chairs. Et This July 31st, by aujourd'hui, now, en all juillet clubs, which 31, include nous clubs as savons well que as tous our les board, clubs would have entered their 15 goals for aura Rotary Clubs donc themselves. Hopefully, your enregistré goals are met. If it's not, les you have noms until midnight tonight, et and your club sinon vous avez president and jusqu'à secretary will minuit have completed et vos basic secrétaires et courses for their présidents portfolios in ont mid-December. donc Just a little complété les reminder, différents
court, juste pour vous rappeler cela, le thème de ce soir est pour le recrutement des effectifs, mais je voulais rappeler aux membres que nous sommes une organisation qui est axée sur les membres. Sans nos membres, nous ne pouvons pas faire le travail du Rotary. Et à mon avis, trop de membres ont rejoint le Rotary et quelquefois sont partis. Et nous allons mettre l'accent sur le développement. Et j'encourage chaque membre à envisager le fait qu'ils vont inviter un membre potentiel à une réunion de club. Nous devons avoir, être très déterminés là-dessus, sinon nous n'allons pas accroître nos effectifs. Et bien sûr, pour être membre du Rotary, il faut avoir le cœur et le courage et les mains. Et je vous encourage, donc j'espère que vous aurez cette force à l'avenir. Et l'intention, c'est quelque chose de très important. Et les clubs, je vous encourage à donc fidéliser vos membres afin que vos clubs continuent à être attrayants. Et je ne sais pas, mais il me semblerait que j'ai un problème avec l'audio. Et une façon d'encourager les membres est de montrer ce qu'on fait et de s'assurer que l'image publique est intacte et que le public est au courant de ce que vous faites en tant que Rotarien. Maurice a mentionné la paix et les relations, et si nous montrons que nous sommes un club qui prône la paix, nos membres vont aussi doivent refléter cela, et nous devons accroître ou élargir notre portée et de nouveaux clubs Rotary. Nous espérons que cela va se faire et dans le district. En ce qui concerne, devons rappeler que nous avons des étudiants et des bénéficiaires qui se sont engagés dans des projets et des programmes du Rotary. Quand vous examinez quels sont les membres potentiels, n'oubliez pas d'essayer de joindre ces personnes, de contacter ces personnes. Ce sont des prospects, des membres potentiels, et ces membres pourraient devenir très importants dans vos clubs. Et assurez-vous que vos clubs marchent bien et que vous savez exactement quelles sont les attentes de vos membres. Et n'attendez pas pour savoir s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et restez en contact avec vos membres. Ayant dit cela, il est nécessaire de continuer à engager nos membres, et je sais que nous avons une équipe de district. Maurice et Gisèle, j'ai des attentes vraiment en ce qui les concerne et de haut niveau, et je pense que vous avez pris en charge ce portefeuille parce que vous savez que vous êtes capable de le faire. Mais oui, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, et j'attends aussi avec impatience d'entendre ce que vous avez à dire. Merci. Merci beaucoup, DJ Debs. Debbie. Et c'est toujours une belle chose d'attendre notre championne. DJ. Donc, il est bien de savoir ce qu'on doit faire et toutes les choses sur lesquelles on peut travailler. Ce qu'on attend de nous. Quand on est président du comité d'adhésion, ou si on est juste membre, en tant que membre ordinaire, nous avons un rôle à jouer. Pour que cette expérience soit merveilleuse. Donc, nous allons passer à notre présentation. Maurice et moi, on aimerait profiter de vous présenter notre équipe. Beaucoup de ces et noms, peut-être que vous avez déjà entendu ces noms, mais on aurait bien aimé que ce soit une équipe avec laquelle vous que ce soit une équipe en ce qui concerne la possibilité avec qui vous sentez à l'aise pour commencer communiquer. Avec
allons commencer avec notre et on a district bien sûr 70-30. notre Bien sûr, groupe nous avons district le qui fait gouverneur partie de tous les de comités. Il y a district. Maurice et moi-même qui sont Maurice coprésidents et moi, et nous on avons a le rôle, le partageant responsable le top rôle de la innovant présidence. qui s'appelle Et nous Mario avons Boyce. c'est Marie Boss qui Mario, est le c'est pourparler l'ancien EPP du club responsable scientifique du Tadalada club Barbade. innovant. Au niveau de Au notre niveau de la zone, il zone, serait nous pensons important qu'il est de partager important de cela. partager aussi On les a un informations. soutien Nous au avons niveau le du district, on a un soutien soutien au dans niveau de notre notre district, zone. mais aussi le soutien de Et la donc, zone. on a un des Un des membres qui est membres présent avec nous. est parmi On nous. a zone Nous avons 33 la zone de notre carte, c'est le 34, directeur Patrick Is Patrick qui était X, avec nous pendant notre dernier avec nous, appel qui était avec nous dans notre l'année dernière 2024. réunion. Et nous On a le avons la coordinateur Mary coordinateur Megan de de notre zone 34 coordinatrice qui de était avec nous. Rotary, Elle va Marie nous parler Ligon. bientôt. Nous C'est avons notre aussi PDG notre Lyle qui ne peut PDG pas être Lyle, avec qui ne nous pouvait pas ce être avec soir. nous Ils ont reçu et des nous excuses, présente ses mais ici excuses. au niveau de la zone, Mais en il tant est coordinateur aussi adjoint avec un intérêt coordinateur spécial dans le adjoint district de la avec Caraïbe. l'accent sur Donc, la on retrouve nous Caraïbe. 70-20 Et et 7000 qui est le Porto Rico. et Et également, finalement, on a un un nom autre de avec connaître, il y a Yago qui, comme vous Sekaza, devez connaître, qui est le notre responsable au niveau de la région représentant pour la régional, région. José González. Si vous connaissez Audley, lui, il a Il joue un remplacé rôle Audley, important il prend ce rôle très important pour d'étudier les rapports aider et nous avec aider au niveau les de rapports l'administration. qui sont Voici donc distribués. notre équipe Donc pour voilà notre équipe 2024-2025. pour la période Nous voulons donc, 2024-2025. On va Maintenant, donc nous regarder, allons avoir on va faire un survol vue de d'ensemble l'année dernière en de ce qui concerne année Rotary l'adhésion l'an et la croissance des dernier. membres. Et je passe Et je la parole vais donc à Maurice, passer la parole à Maurice, qui va partager qui avec va vous partager ses pensées. Et puis moi, je vais revenir de ses pour chiffres avec vous. donner mes pensées. Merci beaucoup, Merci, Gisèle. Gisèle, Mais avant avant de de l'an parler de dernier, l'année dernière, en fait, en fait, je veux dans le chat qu'il y a deux interprètes qui interprètent ensemble. Ah bon, il y a deux versions. No, thanks so much, Paul. Thanks so much for that. And thanks for whoever raised it in the chat. We appreciate that because we wouldn't know. We're on the English channel. Yes. Excellent. Thank you. So do we have one now? Wait, let me see. Okay. In okay. fact, it seems that there is no more. It's okay. In I think Paul said he let Evelyn speak, maybe because we are quiet. I don't know. Okay, I am back. I am back. We had no agreed no before. Thank you. Okay, I'm back. Are we okay? Maurice, I saw also in the chat that someone was asking about all this being translated into French, but I'm not quite sure. Okay. Well, it seems that the translation is okay now. Okay. Is it okay? Well, we can. It's okay? Yeah, we can come Lauren back. Lauren says okay. To the next slide. Okay. All right. So the floor is Maurice's. Sorry, let me go back to this slide. Right? So Maurice, the floor is yours. Yes. Well, Giselle, you're better than me in that. Giselle, tu es plus habituée que moi à cela. Je vais te laisser expliquer, parler de ce que nous avons fait l'an dernier. Qu'est-ce qu'on aimerait changer? En effet, nous avons une bonne année et comme Maurice l'a dit, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons célébrer et lors de notre dernière réunion l'année dernière, nous avons réalisé que nous avons vraiment eu du succès pour
En matière de recrutement, on ne peut pas vous montrer exactement quels sont les chiffres. Donc, ces chiffres, on devrait les avoir après le 1er août et nous allons les partager avec vous. Mais notre trajectoire à partir de juin montrait des résultats très positifs. Et on peut voir que nous avons eu 241 nouveaux membres et cela, nous pouvons certainement célébrer cela. Et maintenant, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que c'est, nous montre la production pour le district en se basant sur notre historique. Et cette ligne montre ce que cette année indique. Et pour ceux qui étaient présents l'an dernier, nous avons parlé énormément du phénomène de purge. Où on voit donc qu'il y a une et quand nous avons donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées l'année et il y a donc une chute à partir de la période de juillet. Donc, nous devons être conscients de ce phénomène et ce déclin que nous voyons, nous en sommes conscients et nous devons faire attention. Très bons résultats, en effet. Nous avons eu vraiment de bons résultats, mais nous ne pouvons, mais nous serons fiers si ces résultats représentaient un nouveau départ en matière de recrutement pour le district 70. Nous voulons que ces résultats soient le début de quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus grand, de meilleur cette année et les années à venir. Oui, cela est un résultat et nous serons très fiers. Et nous espérons result at the end of the year, but we will talk about that later on our et nous allons en parler par la suite. Yes, thanks so much for that. And just one house merci announcement for any et une annonce que je voulais partager pour les nouveaux Rotariens. Il vous faut sélectionner la langue qui vous concerne, que ce soit anglais ou français, et en utilisant l'icône de la map monde, c'est l'icône d'interprétation. Si vous n'avez pas cela, vous devez voir dans la section où en anglais c'est indiqué mot, il y a les trois points successifs. Et nous espérons que nous allons pouvoir continuer sur cette lancée et nous allons faire une pause pour présenter un membre de notre équipe qui représente la zone 34. Donc, Mary Ligon est devenue Rotarien en 2002 et c'est notre coordinatrice de zone. Elle a eu plusieurs rôles, y compris facilitateur d'apprentissage pour l'année 2024-2025. Elle a été coordinatrice adjointe avec moi pendant les trois dernières années et elle nous a guidés aussi
dans le programme de Emerging Leaders en 2023 et elle est bien sûr ancien gouverneur de district de 6900 pendant 2021-2022. Donc, j'invite Mary à partager avec nous sur le map, la raison pour laquelle on a rajouté le map dans cet appel, et que ceux qui n'étaient pas au courant, on a eu une conversation avant votre arrivée avec Liz, qui est gouverneur aussi, qui a parlé de l'importance du map, c'est-à-dire le plan d'adhésion. Donc, elle va partager ses pensées avec nous, parce que c'est un des outils qui avait aidé les clubs pendant l'an dernier. Donc, Mary, à vous la parole. Donc, merci, Gisèle. Donc, je vais donc confirmer que vous voyez tout le monde voit mon écran et que vous voyez le bon diapo. Merci, merci beaucoup. Donc, je suis très content d'être avec vous et j'apprécie d'avoir été invité. Vous êtes un des plus districts les plus forts dans cette zone et donc je suis très, très content de savoir que vous allez continuer cette croissance que vous avez démontrée pendant l'année passée. Donc, parlons un peu d'adhésion. Maurice m'a appelé Membership Mary. Donc, j'ai adopté ce nom. Mais comme vous savez, et que Debbie a déjà exprimé, l'adhésion, c'est notre priorité. Et si nous attirons des membres, donc tout le reste suivra. Donc, comme Debbie a dit, le Rotary, c'est une organisation où les membres sont importants. C'est une organisation qui rend service et on a un service très important. Donc, pourquoi est-ce que c'est important donc d'augmenter le nombre de membres? Donc, c'est pour qu'on puisse faire plus, pour qu'on ait un plus grand impact dans nos communautés. On peut faire beaucoup plus de choses si on a plus de membres, plus de mains à travailler. Il y a quelques années, le comité RI avait adopté ce plan d'action pour nous aider à guider de comment on va répondre à notre mission, ce qui est ensemble, nous voyons un monde où les personnes sont unies, où ils prennent action pour créer un changement à travers le globe, dans nos communautés et dans nous-mêmes. Donc, le plan d'action Rotary nous donne une façon de repenser, de réfléchir à ce qu'on fait et notre façon de faire pour qu'on puisse répondre aux attentes de nos membres. Donc, le monde continue à évoluer et nous aussi, il faut évoluer avec pour être efficace pour répondre à cette mission de créer un changement durable. Donc, tandis que nous voyons le plan d'action présenté dans l'ordre où on parle d'impact accru, participation accrue et améliorant notre capacité d'adapter, mais j'aime bien le voir d'autres manières. Ce qui veut dire pour moi, ce qui veut dire qu'il faut adapter ce qu'on fait et notre façon de faire afin de pouvoir améliorer l'engagement des participants, c'est-à-dire nos membres et ses partenaires et ces personnes avec qui on sert. Quand on améliore la participation des membres, ça nous permet de répondre et avoir un impact plus important. Donc, qu'est-ce que c'est le MAP exactement? MAP, ça le représente Membership Action Plan, plan d'adhésion. Pourquoi ça a été développé? Ça a été développé de façon spécifique pour des clubs, et il s'agit simplement de trouver un moyen pour permettre à adapter pour que l'on puisse créer une culture dans chacun de nos clubs qui va, avec le résultat, qui sera donc une croissance modérée de nos membres. Donc, le plan d'action du club ou le MAP consiste aussi d'un chemin qui est facile à suivre pour atteindre le succès. En se servant du centre de succès des membres, on peut donc établir un objectif, identifier le problème spécifique que vous avez, que ce soit la façon d'attirer des membres ou pas suffisamment d'attraction ou trop d'attrition, peut-être que c'est une combinaison des deux.
Vous pouvez assister au webinaire MAPS qui nous permettra de découvrir des stratégies de vos collègues qu'ils ont mis en place et qui fonctionnent pour eux. Donc, j'entendais Liz dire plutôt qu'elle a fait regarder l'enregistrement et qu'elle a eu pour avoir des idées de cet enregistrement. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, en servant de ce graphique et dans la MSI, que Gisèle et Maurice viennent de vous montrer, vous aide à vous concentrer sur le progrès que vous faites chaque mois. Il y a aussi un outil pour les enquêtes qui vous permettent, qui est très facile à utiliser à travers ce centre de sélection, ce qui peut permettre de mesurer la satisfaction de nos membres. Et avec les réponses des membres, vous pouvez donc continuer à améliorer pour répondre à leurs attentes. Donc, non seulement le MAP est-il un chemin, c'est aussi une boîte à outils. Donc, on a encore ces webinaires mensuels où il y a des clubs réussis qui nous montrent ce qu'ils font pour augmenter leur effectif d'année en année. Il y a aussi ce centre de succès qui est maintenant accessible à vous tous directement du Club Runner. Et dans l'avenir, il y aura donc une formation spécifique pour vous montrer comment accéder à ce centre. Ce sera plus facile que ce qu'il y avait dans le passé. Donc, le MSC vous donne les données sur l'attraction de chaque club et le niveau d'attraction. Et c'est un outil simple pour calculer combien de membres il vous faut afin de surmonter ces pertes qu'on peut prévoir pour avoir une croissance nette. Le centre de succès des membres offre aussi des rapports, des graphiques, comme vous avez déjà pu, en servant des données actuelles pour montrer votre progrès, ce qui permettrait d'ajuster si besoin et ne pas être surpris à la fin de l'année par ce graphique. Donc, votre coordinateur décrit avec l'équipe de district et autres, ils sont à votre disposition pour vous aider. Donc, un peu plus sur les webinaires. Donc, pour l'instant, donc, on a les webinaires chaque mois et des sujets côté ouvert. C'est tout ce qu'il faut pour être réussi. Donc, ayant entendu parler ces présentateurs qui ont mis en place une certaine stratégie et de façon réussie, il y a une possibilité de poser des questions. Donc, les participants peuvent poser des questions et les présentateurs vont répondre à ces questions. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous aurez l'opportunité de poser votre question sur ce qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, toutes les séances sont enregistrées et chaque fois, on pouvait donc regarder les 20 dernières séances sur la page d'adhésion. Donc, déjà, si vous pouvez donc mettre le lien sur le chat, les personnes pourraient peut-être visiter le site après et voir tous les enregistrements. Ça peut-être tomber sur quelque chose qui vous intéresse. Donc, le webinaire, normalement, c'est le deuxième lundi du mois à 17h30. C'est une nouvelle heure. Donc, avant, c'était à 18h, mais on a avancé à 17h30. Il dure 45 minutes et les 15 dernières minutes de chaque séance, c'est la question-réponse. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de temps, vous pouvez toujours venir donc, pour avoir la partie importante en 30 minutes, même si vous arrivez en retard. Le webinaire du mois d'août, ce sera le 12 août et le sujet, c'est des réunions intéressantes. Ça, c'est un des 5 éléments de l'expérience du club. Et la recherche nous indique que l'expérience au niveau du club, c'est ce qui détermine si vos membres quittent le club ou s'ils restent. Donc, pour que les gens participent de façon bien adhérente, c'est important. Donc, marquez vos calendriers, vous ne voulez pas donc rater cette séance. Et aussi, Gisèle, elle va donc dans le chat mettre le lien pour le webinaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, vous pouvez donc juste cliquer sur le lien et participer à la réunion.
Donc, on a parlé du plan d'action, on a parlé du MAP. Maintenant, on va nous concentrer sur les objectifs, nos projets et la récompense MAP. Pourquoi est-ce qu'on établit des objectifs? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un plan? On sait que la croissance des membres, c'est l'objectif, et chaque personne sur le comité d'adhésion doit aider à la réalisation de cet objectif. Donc, faire de façon facile, c'est pas comme ça qu'on travaille. J'espère que vous hochiez la tête et vous êtes d'accord avec moi. Parce que la recherche nous montre que vous êtes 75% plus apte à établir vos objectifs si ce sont les objectifs qui sont écrits. Donc, il faut mettre ces objectifs dans le centre dont vous avez sûrement établi au Contrary Central. Donc, la possibilité, c'est à 90% si vos objectifs sont... Vous pouvez atteindre cet objectif, mais ce n'est peut-être pas réaliste de dire qu'on veut augmenter de 50%. Peut-être que ce sera un grand défi, mais pas très réaliste. Donc, nous allons établir des objectifs plus réalistes. Donc, il faut être plutôt modéré et penser à une croissance modérée avec des progrès hebdomadaires. Donc, c'est-à-dire, donc vous pouvez faire un suivi de ce que vous faites et si vos idées marchent ou non, votre taux de réussite va augmenter de 40%. Il faut un suivi chaque semaine. Donc, si vous avez atteint, donc si vous avez atteint 72% de membres, et atteindre les objectifs quand ils ont écrit, quand ils ont établi un plan, quand ils ont fait des rapports de progrès. Donc, je sais que vous m'entendez, établir objectif et un plan et faire un suivi. Nous savons que les dates limites améliorent l'efficacité de votre objectif. Donc, pour être reconnu de vos efforts réussis, ce qu'il faut à la base, c'est d'avoir une croissance nette pour l'année 2025. Nous ne saurons pas les résultats d'ici un an. Donc, la première chose à faire, c'est la tâche d'établir vos objectifs d'adhésion au centre de membership et soumettre votre projet. Si vous faites ces deux choses et vous atteignez une croissance nette, vous allez donc recevoir un plus grand niveau de reconnaissance dans la récompense MAP. Donc, la date limite, c'est le 15 août, donc vous aurez donc 2 semaines. La participation à des séances MAP sera prise en considération, mais on parle donc des ajustements de ce qu'on avait prévu, donc il y aura des détails à venir éventuellement. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et donc je vais continuer à vous soutenir. Et plus tard, vous aurez la possibilité de poser des questions et j'ai content de répondre à ces questions et vous offrir des réponses à vos questions. Je vous remercie. Merci, Mary. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir. Et comme elle vous l'a dit, nous allons avoir une séance de questions-réponses. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et merci encore. Je vais revenir donc. Et partager mon écran et comme Mary l'a mentionné et ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que nous pouvons bénéficier de plans d'action et notre district a aussi un plan d'action pour 2024-2025. Et le plan a peut-être 3 ou 4 pages.
Et Marie nous a donné une vue d'ensemble, un aperçu, et nous allons distribuer cela afin de pouvoir tenir vos efforts au niveau des clubs. Comme vous le voyez sur l'écran, nous aurons des événements, des manifestations au niveau, promouvoir aussi au niveau de la zone de façon mensuelle. Au niveau de notre district, nous avons beaucoup de choses à partager, mais comme Marine l'a dit, il est important aussi d'être dans la même salle que les autres personnes d'autres districts et écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à partager. Nous allons promouvoir et avoir des séances de sensibilisation pour l'accès aux ressources disponibles parce qu'il y a un centre, il y a ce que nous appelons MAP et différents outils, les sondages et tout cela, ce sont des outils. Et nous voulons nous assurer que les membres du district 70 soient au courant de ces outils et qu'ils puissent y accéder, avoir. Nous allons aussi examiner la promotion normale du centre d'apprentissage qui continue à être une source de ressources extraordinaire, même si vous avez beaucoup d'expérience. Le Rotary met à jour de façon régulière des cours pour la formation. Donc, si vous avez un Rotarien, même si de longue date, je vous invite, je vous encourage à vous connecter à ce site, au centre de formation, d'apprentissage, qui va vous donner donc une vue très large et une mise à jour de, au niveau, que ce soit sur l'aspect administratif et quel que soit l'aspect, il y a un cours qui est associé. Il y a aussi des webinaires et nous allons de façon trimestrielle partager avec vous ce que les différentes tendances qu'on a pu observer et les choses qu'on peut faire au niveau de notre district pour soutenir les clubs, les efforts des clubs. Et bien sûr, il y aura aussi des séances de formation associées à cela au cours de l'année, dans le courant de l'année. Et c'est ça que nous envisageons de faire. Nous avons aussi des outils que Maurice et moi, nous avons pu élaborer et nous avons pu aussi observer les réussites à la suite de ces initiatives. Bon, Maurice, ça va? On continue. Un des outils que Maurice et moi, nous avons élaboré reflète ce que les activités de la zone, parce que la zone nous donne des mises à jour. Et nous avons créé un concept et j'espère que vous avez pu examiner cette feuille. C'est un message mensuel que nous distribuons et nous partageons des idées et des messages très précis de moi et de Maurice, en particulier sur ce bulletin où nous parlons de notre plan et nous rappelons un petit peu ce que Marie a, ce dont Marie a parlé. Et bien sûr, nous faisons aussi la promotion des différentes manifestations. Et donc, nous avons le bulletin en français, en anglais, et vous pouvez aussi trouver différentes ressources. Yes, sorry, do you hear me?
Yes. Est-ce que vous m'entendez? Yes, everything okay, we're Oui. fine. Well, I am just trying to solve a little problem with the Je suis en train de résoudre un petit problème d'interprétation. Désolé. Okay. All right. Thanks for that, Maurice. Yes. Sorry, I saw that. Yeah, Natasha, you go ahead. Could you unmute? I don't know. Sorry. I saw Natasha's hand was up. Natasha, you wanted to say anything? Okay, no. Natasha, tu voulais dire quelque chose? Okay, no problem. Okay, so on that same note, donc, in terms of our sur cela, en ce qui concerne notre bulletin, nous avons aussi des informations que nous partageons, les stratégies que nous avons utilisées l'année dernière et lors des différentes réunions, rencontres que nous avons vues, nous avons donc différents stratégie et nous avons essayé de catégoriser et de regrouper nos clubs. Nous avions trois groupes. Cette année, nous avons deux groupes et nous allons rassembler les clubs de petite et de moyenne taille ensemble et ensuite les clubs qui ont plus de 41 membres vont être regroupés. Et donc, cela présente les dates et quand ces différentes réunions auront lieu. Et nous allons aussi partager le nom, les chiffres en matière d'effectifs. Et dans la première semaine d'août, je vais donc vous recontacter et nous allons continuer. Aussi là, nous avons les différentes réunions qui vont se faire le 22 janvier et le 7 mai. Donc, nous essayons de vous donner quelques petites idées de ce qui va se passer. Et je vais faire appel à Maurice qui va partager avec nous l'appel à l'action pour les Rotariens parce que nous voulons vraiment partager avec vous ce que nous pensons du potentiel que notre district a en matière d'effectifs. Et là, je vais passer la parole à Maurice. Maurice, à toi la parole. Merci, Gisèle. Juste une chose en ce qui concerne le programme pour cette année. Bien sûr, nous sommes toujours disponibles pour les clubs plus anciens. S'ils ont besoin de quelque chose, ils ont notre contact pour organiser des réunions. Et nous avons beaucoup plus de contacts personnel et d'assistance. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour faire le travail. Et si nous pouvons trouver des solutions pour vous, nous sommes prêts à vous aider. Et aussi, l'année dernière, on était divisé en trois groupes. On n'a pas pu faire cela parce que avec le succès que nous avons eu l'année dernière, nous avons très peu de petits clubs. Il fallait les intégrer avec d'autres groupes. Donc, c'est quelque chose dont nous sommes fiers, encore une fois. Et nous sommes passionnés par le sujet du recrutement des membres. Et nous voulions vous expliquer pourquoi. Et quelle est notre idée, qu'est-ce qu'on ressent à ce niveau dans notre district. Le recrutement est la force motrice de notre organisation, sans nul doute. Et il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Nous tous le savons, Mary l'a expliqué peut-être dans un meilleur anglais que moi-même. Comment est-il possible que des
milliers de personnes chaque année sont sans abri, que des millions font un appel à la dignité. Et s'il y avait suffisamment de personnes parmi nous pour être des législateurs de l'avenir, est-ce que nous aurions laissé cela se passer? Pas du tout. S'il y avait suffisamment d'entre nous qui pouvaient influencer les décisions internationales, régionales, locales, est-ce que nous allons laisser des enfants mourir de faim et les enfants qui sont harcelés par la violence, est-ce qu'il y aurait eu des pères, des parents qui sont là à porter les enfants parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable? Est-ce qu'on allait laisser les enfants souffrir pour le manque d'éducation, le manque de soins, des êtres humains devenir déshumanisés? Nous allons toujours travailler sur les côtés. Notre décision est guidée par les critères du retard. Et s'il y avait suffisamment d'entre nous, pour Gisèle et moi, le recrutement des effectifs n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est un acte de générosité pour l'avenir, pour le potentiel et la communauté que nous servons. Je vais dire que parfois, c'est un acte de résistance contre le manque de valeurs fondamentales. Ce que je vois ici, c'est ce que j'observe, c'est que c'est réel. Regardez ce que vous pouvez faire dans vos territoires. Vous êtes là pour travailler sur le côté, pour ceux qui sont marginalisés. Imaginez ce qu'on pourrait faire s'il y avait des milliers comme nous dans notre district, s'il y en avait encore plus comme les millions de scouts dans le monde. Il y a 57 millions de scouts dans le monde et nous sommes 1 million. Et si nous avions encore un chiffre plus important de personnes parmi nous, c'est vraiment un acte de générosité pour donner une plateforme de travail et pourquoi pas pour pouvoir atteindre un niveau. Oui, nous voulons que le recrutement soit notre priorité en matière de projet. Et comme Mary l'a dit, nous devons fixer des objectifs, avoir un plan de façon à pouvoir atteindre cet objectif de notre premier projet pour le recrutement. Et la prochaine réunion, nous allons couvrir d'autres sujets, bien sûr, et nous aurons l'opportunité de discuter de cela en matière de la rétention, attrition et autres, et aussi comment parler de notre organisation pour que les gens soient enthousiastes et soient prêts à rejoindre. Gisèle et moi, nous sommes là pour vous aider quand vous en avez besoin. Et je vous invite, et l'invitation de Georgetown pour participer à la réunion de recrutement. Nous encourageons de nous inclure dans vos réunions afin de pouvoir apporter quelque chose ou aider en quelque sorte. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gisèle. Merci. Cela a été bien dit. Et donc, nous sommes à la fin
de notre réunion, la première partie, et nous donnons la parole. Nous avons 11 minutes pour des questions, et bien sûr, s'il y a des questions, nous allons donc continuer, bien sûr. Si quelqu'un avait des questions, veuillez lever la main, sinon... I wouldn't be mad at you. Sinon, vous n'avez, si vous n'avez pas de questions, nous allons terminer un peu plus tôt. Nous voulons aussi vous remercier. Cela a été une possibilité de discuter avec vous. Donc, voilà une question. Quels sont... Yeah. Okay, so we just dropped the link. I could copy it over for you just in case you didn't get it. Let me Donc, on vient de vous passer le lien. Whole, like, if you put in, if you Donc, right now in your, si vous googlez et vous mettez zone 33 map, il y a tout un site web dédié aux maps et vous allez voir donc les enregistrements des appels précédents et vous aurez aussi le lien de la réunion Zoom. Donc c'est cool de le faire de cette manière, ça permet d'être sur la liste de mailing. Donc chaque fois qu'il y a un rappel, donc vous allez le recevoir nous aussi. On envoie aussi des rappels et nous mettons les renseignements concernant les réunions Zoom, aussi bien que tous les détails du prochain appel. On met ça dans notre bulletin mensuel. Donc, vous ne recevez pas notre bulletin. Donc, on vous l'envoie par Club Runner. Je sais que certaines personnes ne reçoivent pas les emails du Club Runner, mais peut-être que certains membres de votre club reçoivent le Club Runner et qu'ils peuvent partager avec vous. Maurice, on dit de bonnes choses de vous dans le chat. D'autres questions ou des commentaires? Donc, comme je dis, on voudrait donc vous dire merci. On remercie notre DJ qui a dû partir parce qu'elle avait notre engagement. Nous la remercions de sa présence. Nous remercions aussi Mary. On l'appelle Membership Mary. Ce sera son nouveau surnom, Membership Mary. Donc, on vous remercie d'être présent avec nous et d'avoir pris le temps et certainement de nous permettre de bénéficier de votre commentaire sur la map. Donc, au nom de Maurice et moi-même, on voudrait vous remercier tous qui avez participé, surtout une personne qui est dans un pays où il y a un jour férié. Nous apprécions beaucoup et nous vous remercions tous. Donc, vous aurez nos bulletins, nos messages. Approchez-vous de nous. Là, je vais partager cet écran avec vous. Donc, on a... Donc, voici donc le dernier diapo. Est-ce que je peux aller en arrière? Donc, voici donc voici nos renseignements. Donc, si vous envoyez un mail à membership@projetdechec.org, donc vous aurez et Maurice et moi-même, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de l'email de Maurice moi-même. Donc, vous envoyez un message à cette adresse et vous aurez une réponse soit de moi ou de Maurice. Donc, vous pouvez donc... Donc, merci encore une fois. Nous apprécions tous et on espère travailler avec vous dans l'année à venir. Maurice, un dernier mot? Merci beaucoup. On vous verra bientôt dans notre réunion trimestrielle. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Okay, everyone. Have a great night. Bonne nuit à tous.